Bien, salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo pour la suite du coup du mode histoire de Call of Duty WW2. Donc je reprends là. Ah, ça venait d'où? Je sais pas. Une nouvelle mitraillette sur le sol. Thank you.
Personne. Il faut un bilan des pertes. Perdu beaucoup de soldats. Après la flamme. Et il ne trouve pas. Agnès. Bordel, je pensais avoir tout. Il va s'en tirer. Il a plutôt bien rafistolé. On n'aurait pas dû venir. Bah, fallait le dire avant. Hé, hey, tu m'as sauvé la vie. Je t'en dois une. Disons qu'on y quitte. On ira jusqu'au bout. À la vie. À la mort. Tête de pont établie. On bivouaquera à la deuxième haie après la crête. Bienvenue au casse-pipe. Ça change un peu du Texas, pas vrai, gars? Aucun de nous n'était préparé. Il n'est pas vraiment assuré. Merci. Je... Tu diras bien. Merci. Oui, monsieur. Tout ira bien. C'est loin du Texas. Je sais pas quel abruti a décidé que c'était le meilleur moyen de reprendre l'Europe, mais il y a une chose qui est sûre. Il n'était pas sur la plage avec nous ce matin. Ah, ni le jour J. Au préalable, ça couvre 25 juillet 1950. Cela fait 7 semaines depuis le jour J. Nous quittons la Normandie pour aller plus dans les terres et sécuriser Marigny. Ainsi, nous contrôlerons les routes et nous pourrons traverser la France pour rejoindre Paris. La libération approche. Moi et les copains, disons qu'on s'en sort plutôt bien. Même si c'est jamais assez pour personne. Mais ça, on est habitué. Peut-être que je reviendrai à la maison à Noël avec deux jeux de métal autour du cou. Avant ça... Il faut qu'on prenne Marigny. Schmeling contre la Mota. Pense que Schmeling aurait mis la Mota KO. Impossible. Et Schmeling, c'est un nazi. Le buterait sans hésiter. Les nazis sont servis de lui pour la propagande. Il n'y a pas le choix. On a toujours le choix. Non, on va pas sonner, d'accord. Et si je te dis Louis, est-ce qu'on peut chou garder avant ça? Si c'est le Louis de 1938, alors Robinson gagne trop la main. Hé, regardez un peu qui voilà. Tu ne vais pas revenir la semaine prochaine? Si, mais j'ai appris qu'une bande d'incapables allait prendre Marigny sans moi. Tourne comme sur des roulettes. On pourrait même être chez vous à l'heure. Bon, allez, mon pote. D'accord. Pas mal, hein? Ouais, j'ai vu plus bien. Bon temps de te revoir, soldat. Moi aussi, chef. Très bien, les gars. On a un coup en or à jouer cette fois. C'est l'occasion de quitter la norme. Ce sera pas simple. Les Italiens sont bien défendus et on a une vente plusieurs blindés allemands dans la zone. Mais si on parvient à prendre et à sécuriser Marigny, les routes sont faites. Si Sisman peut revenir malgré une telle balade, la chance doit être à notre côté. Faut toujours parier sur les vainqueurs. Pour Turner, vous protéger est une vocation. On y va. Mais la guerre aime mettre des bâtons dans les roues. Purée sous Cobra. Ah ouais, mon là. Mon fusil. Très bien, première section, on repart. Allez, allez. Le tank. Une blessure pareille, mais 8 semaines à déjouer. Je suis prêt, sergent. Je vous le promets. Ah, tu me promets. J'en ai rien à foutre de ta parole. Bien remis, hein? Je suis en pleine forme, sergent. T'as des tripes, soldat. Mais j'ai pas envie de les voir. Charge, là! Accrochez-vous, les gars! Ça va secouer! Toujours, non? Pense que personne t'a à la bonne! Ouais, comme un lion mourrait à la bonne. Allez! Allez! Waouh! Eh ben, on dirait que tu tiens le coup! Et toi, ça va?
J'allais pas vous laisser vous marrer seul. Ah, pas de danger avec personne. C'est pourquoi il t'a donné la part de Castri. J'ai perdu mes meilleurs amis. Ouais, et lui, il a écopé d'une belle rétrogradation. Il a joué les durs à cuire. Ses hommes y sont restés. Action à Poiret, un vrai massacre. Les nazis n'ont pas fait de quartier. On a survécu uniquement parce qu'ils n'ont pas bouclé l'ouest de la passe. J'ai vraiment failli y rester à cause de ce sale connard. Werner n'a pas digéré. En fait, c'est lui qui a rédigé un rapport. Personne se dit que si il fait vous une section modèle, ça y passera tous. C'est pour ça qu'il nous écrit. Eh ouais, ça y est, j'ai écrit. Voilà pourquoi il ne renoncera pas. Il jurait pour attraper le coup. Vous savez pourquoi je jurais, moi? La vraie bouche. Tu viens de finir de manger. Un sandwich de singe, ça compte pas. Eh, hey, on se fait un petit barbecue. Ah. Il n'y avait aucune chance. C'était un être humain. Non, c'était un poche. Daniel, ça raison. Il y en a des biens. Je me suis dit Kepler, Mozart. C'est bon, Einstein. Marlène Dietrich. Ah, ça me parle plus. On peut payer les inventions comme la presse internet, le Microsoft, les saucisses. C'est bien. Vous entendez? Dirige vers nous. T'as qu'à les munitions, passe pour les munitions toi. Hop, merci. Ah, c'est toi qui allais, hop, vas-y, passe. Thank you.
toi les munitions, les munitions. Merci.
munitions. À côté des têtes de sable. Oh merde. Sergent, donnez-moi la position. C'est où? Ça? C'est pas ça. Ah oui, là. Pas d'où c'était. Ah, voilà. Il faut s'accrocher.
Rejoignez Tornel. Elle est là. Lieutenant. À l'instant. Relation mandat. Ça n'est pas con. Ok, écoutez. La compagnie Charlie s'est fait attaquer près de l'église. Il nous faut des renforts et des munitions. Envoyez une escouade sur le champ. Chef, nos moyens sont limités. Trouvez dans la commesse. Oui, chef. On peut prendre les types, on va avoir besoin de l'aide des blindés. Bon, voilà le plan. Thérèse, il y a pas de soucis avec l'escouade. Impossible. Il nous ressort de colline, on part vers l'ouest avec la 11e. C'est pas vrai. Les gars n'ont plus beaucoup de temps. Il n'y a que vous. Prenez ces types et en route. Allez. Très bien. On y va. La compagnie Charlie est dans la bouillie. Il faut qu'on aille l'aider. Allez. Waouh. Comment on va, Marigny ? Suivez la route ! Faites prendre le village ! Merci de vous avoir sauvé. Remerciez donc le commandant Davis. Ok. C'est trop tard pour repartir. Vous avez gagné un sursis. Pardon, sergent. Oui. La moitié de la Wehrmacht est derrière ce bâtiment. Vous n'aurez pas un meilleur endroit pour bivouaquer. Bien sûr, soldat. Les armes sont mauvaises. Chef. Il a peur, c'est tout. Occupe-toi de tes problèmes à toi. À savoir comment tu vas tenir le coup. Vous en faites pas pour moi, sergent. Daniel, tiens-le à l'œil. Mon gars, il est plus dangereux que n'importe quel ennemi. Dormez, les gars. On attaquera Marigny à la première heure. Je n'arrive pas à croire que je me bats à nouveau aux côtés de Jusman. Il tient bien le coup. Après une marche forcée de plusieurs kilomètres. On pourrait penser que personne ne le laisserait un peu tranquille. Mais l'homme n'a rien fait. Bien, voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère que vous aurez plu. Je vous dis à la prochaine pour la suite de l'émission ou pour une nouvelle vidéo.